Salut les monstres et salut les trucs, c'est Inode et aujourd'hui nous allons jouer à Monster Truck Championship de Taeyeon et édité par Nakon. Là c'est la version PlayStation 4 mais existe également sur Nintendo Switch, Xbox One, PC et plus récemment il est sorti sur PS5 et Xbox Series. Comme vous pouvez le constater, c'est un jeu de Monster Truck, les grosses bagnoles comme on adore ces courses là aux États-Unis d'ailleurs, et on peut en voir. On en voyait hein, à l'époque, dans le monde d'avant, souvent l'été, lors d'événements estivaux un peu partout, en France également. Et d'ailleurs, il y a aussi des super bolides en jouets qu'on pouvait trouver depuis un bon petit moment, hein, et les super Monster Truck, notamment Hot Wheels. Et là, on a un jeu vidéo, ce qui est quand même plutôt rare, et d'ailleurs, vu qu'il sort également sur la console de toute nouvelle génération, on peut espérer qu'il y a une certaine ambition derrière pour que ça continue. Et comme vous allez pouvoir le voir, parce qu'on va faire une petite vidéo assez courte là sur le mode course à plusieurs, et là on est 6 dans la course. Par contre, il y a des événements où il se déroule plusieurs types d'épreuves, et c'est ça qui est très sympa puisqu'on n'a pas que de la course de cette manière assez classique. On a également des sortes de super spéciales avec des courses également, mais en parallèle on va être deux lors du quart de finale, puis après on passe en demi, on est deux également, etc. etc. Mais on a aussi du freestyle, et ça c'est la grande éclate, vous allez le voir. Et d'ailleurs on va vous montrer ça incessamment sous peu. À toutes. On passe au freestyle. Désormais le but est de marquer un maximum de points en faisant des figures, en cassant des éléments du décor. Et surtout l'astuce, c'est d'éviter de perdre son combo en cours. Et là j'ai un x4, c'est plutôt bien. Hop là, bon je l'ai perdu, donc je vais me remettre en situation. Donc, en plus c'est mon épreuve de prédilection, hein, le freestyle. Au début je pensais que non, parce que le jeu est plutôt précis. Il y a beaucoup de figures qui existent, qui sont bien précisés d'ailleurs dans le didacticiel, dans les menus. Et finalement lorsqu'on saisit le truc d'enchaîner, d'aller hop, on fait une super figure, il y a un agré qui se trouve super loin. Ah, mais on peut faire un petit backflip, un petit wheeling pour y aller. On casse une bagnole par-ci par-là, et hop, ça permet de conserver son combo et d'enchaîner. Là je suis catastrophique, et vraiment je n'y arrive pas quand je discute apparemment, c'est n'importe quoi. Et c'est assez drôle, ça devient rapidement jouissif. Et si vous voulez détruire un peu plus, vous verrez que ça existe aussi. Allez, on passe tout de suite au mode destruction. On passe au mode destruction, alors cette fois-ci, comme son nom l'indique, on va devoir un peu tout détruire pour marquer un maximum de points. Mais vous voyez quand même que certains mouvements aident en secourer, hein, vous voyez, à son hauteur, son longueur. Voilà, j'ai attendu qu'on décide que mon combo était terminé pour redémarrer, pour réinitialiser le véhicule. Voilà, je vais faire un score bien tout pourri, mais c'est pas ce que je préfère à la destruction, hein, c'est le freestyle vraiment que j'adore. Alors c'est peut-être parce que j'y cartonne justement dans mes parties et notamment dans les événements, parce que ce qui est très sympa dans Monster Truck Championship, c'est qu'on a un mode carrière où il y a divers événements qu'on doit réussir pour ensuite passer à des plus compliqués, et on a toutes sortes d'épreuves comme je vous le disais tout à l'heure, et à force on récupère de plus en plus d'argent, on attire des sponsors, mais aussi on débloque des éléments pour son véhicule. Alors certains on les débloque et on doit les acheter justement, mais on achète également des sortes d'entraîneurs qui nous débloquent certaines choses. Et allez, on va se faire une petite course pour finir. Et comme je vous le disais, on se finit sur une course. Alors j'ai été cata tout au long de la vidéo et ça risque de continuer parce que je ne vais pas me concentrer, puisque je vais encore vous parler d'ailleurs du mode carrière pour rebondir. Je parlais d'entraîneur, et plus précisément, étant donné le milieu, on a de l'ingé, du spécialiste moteur, des managers, un peu de tout simplement pour améliorer nos performances.
Mais aussi parfois, ça contrebalance, notamment on peut avoir des gains en moins, et en plus il faut les payer évidemment. Donc bon, on calcule tout ça, et donc ça devient assez stratégique, tout comme on a une forte simulation au niveau de tous les réglages du véhicule, puisque déjà on peut maîtriser les roues avant et les roues arrière avec les deux joysticks différents. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait un gros dérapage, c'était pour m'amuser à faire bouger celle arrière. Évidemment c'est stupide, il faut pas s'amuser à faire ça. Et sinon, comme je disais, alors dans les moindres détails, on peut tout régler, c'est assez génial si vous y connaissez. Et je voulais également vous parler, vous l'avez peut-être remarqué au son, mais j'utilise un autre micro, c'est le GXT 256 de Trust Gaming. J'en ai récemment parlé via une chronique écrite. Et bon, là évidemment, je vais pas vous refaire tous les détails, ni m'amuser à appuyer sur le bouton pour me rendre muet, mais ce serait pas mal parfois de me rendre muet. Et on voit génial, hein, vous voyez, voilà. Vous voyez, on peut se cogner, hein, c'est pas mal. Et encore, j'ai enlevé les dégradations des véhicules. Et je vais pas non plus augmenter le volume des écouteurs, parce que vous, ça ne vous servira à rien, ni celui du micro, vous m'entendez peut-être déjà assez fort. Et puis en plus, vous n'avez pas la chance de voir le micro, puisque il peut également agir avec des LED. Alors, quand je parle des LED, évidemment, je ne parle pas de mes conquêtes, mais des lumières qui permettent de faire apparaître le micro, du moins le haut-parleur, en vert, en jaune, comme ma bagnole d'ailleurs, en violet, comme ma bagnole aussi, pas de rose, hein, contrairement à ma bagnole, mais aussi en rouge et en bleu, un vrai Super Sentai ou des Power Rangers. Sauf que, ben ouais, il n'y a pas de rose, hein. Là je suis un petit peu déçu, quoi, il n'y a pas Hunter Dino ou Hunter Denoyel, hein, la nouvelle Ranger Rose, hein, dans Power Rangers Dino Fury. Dino Fury. Et ça, bah, c'est ma petite déception, mais c'est, ouais, sinon on peut même faire l'arc-en-ciel. Mais hein. Sinon, il est excellent et vous vous rendez peut-être compte d'ailleurs au son, mais je vous invite à lire ma chronique et je vais essayer plus régulièrement comme ça de parler de matériel au travers de vidéos, de jeux vidéo par exemple, mais pourquoi pas également inviter notamment en musique, hein, quelques personnalités pour jouer avec moi, aussi des créateurs et créatrices de jeux vidéo. Mais c'est un petit peu compliqué en ce moment. Moi, je vous laisse avec Monster Truck Championship.